moi qui pense être le premier. Je pense qu'on va le faire. Tu vas partir là-bas, je suis arrivé, je fais Georgie, je suis tout seul. Il y a à peu près une heure et quelques, quand même. Ouais, qui me le prouve? Qui me le prouve? La sécurité. Ok, bon, okay, bon j'abdicte. Les pompiers, il y a des gamins qui ont fait le con là. C'est-à-dire? Ils ont ouvert les robinets, ouais. Des trucs incendies, et ils ont déclenché l'alarme. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils sont cons. Ils ont rouvert un robinet incendie armé, un RIB. Les tuyaux là. Ouais, c'est un robinet d'incendie armé. Okay, et c'est pour ça qu'il y a plein d'eau. Et donc là, ils se sont fait virer, c'est ça? Ouais, ils sont partis. Il y a un pompier qui est venu là. Je leur ai dit qu'ils étaient par là-bas. Puis après, il y a la sécurité. Ils ont eu 4 sur 6, je crois. 4 sur 6, c'est une bonne moyenne. Ouais. Ça, ils ne sont pas trop embêtés? Les gosses, si. La sécurité, là, je les ai aidés. Non mais les gars ils t'ont pas embêté fait, Si ils m'ont menacé. Du genre? Genre des insultes tout ça mais... Sérieux? C'est vrai? Ouais c'est sérieux. C'est que des paroles de toute façon. Ouais mais c'est chiant quoi. C'est des adolescents, faut les laisser. Ouais mais t'imagines, ils sont 10, c'est chaud quoi. On est... je suis une vingtaine avec les gens de la tente là-bas. Donc, Mais t'étais où? Enfin en gros t'étais tout seul ici quoi. Moi je suis arrivé à 4h là. Ouais. Donc, j'ai encore fait une nuit blanche comme la troisième d'affilée. Mm-hmm. Là, j'ai squatté avec les gens des tentes. Mmh. Il y a deux groupes de tentes. Ouais. Mais en gros, pour les gens qui veulent, je dirais entre parenthèses, venir à Japan toute sécurité, il faut venir plusieurs fois tout seul. Si tu es tout seul, c'est chaud. Quoi. Oui, tout seul, c'est un peu dangereux. Surtout quand il y a des bandes comme ça, ils sont montés sur le toit s'il y a minuit. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est des visiteurs de la Japan ou... Ouais, c'est des ados de banlieue. Ok. On va dire ça comme ça. Bon. Mais attends, il y a des caméras dans mon poulet. Ouais, il y a des caméras à l'intérieur. Ouais. Parce que nous, on est allé dans le deuxième hall. Mm-hmm. On a pu dormir, c'était quand vendredi soir. Non. Ouais, vendredi soir, on a pu dormir. Mm-hmm. Non, on est quel jour aujourd'hui? Samedi. Samedi, oui. Ouais, donc jeudi soir, on a pu dormir. Mm-hmm. Puis là, ils nous ont viré hier soir, donc on a mis les tentes dehors. Ok. C'est bon à savoir. Tout le monde arrive en même temps. Bah, ils ont raté le spectacle ou ils ont tout raté? Le quoi? Mais ils ont raté le... Non. Ils sont cons ou pas? Ils sont cons. Ok. Ça va pas être bobo, ça va? Par rapport à ce qui s'est passé? Comment? Ils savent pas. Ils savent pas? À 14 du matin. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, raconte. Les jeunes qui ont ouvert le robinet de l'incendiaire et puis ils ont déclenché l'alarme. Où ça, ici? Ouais, à l'intérieur. Toi, t'as des traces d'eau, pas? Oh là là, d'accord. Donc, il y a la sécurité, les pompiers qui sont venus. Mais t'étais là, toi, déjà? Ouais, j'étais à 4h, j'étais là, ouais. Mais pourquoi faire? De Dieu! Je suis là depuis mercredi midi. Hein? T'as dormi sur place? Ouais, j'étais là. En plus, c'est trois nuits blanches, t'as filé. Au bout de la quatrième, je pense que tu es devenu un zombie. Je commence déjà à être un zombie, franchement. Donc on va commencer à se reculer un peu parce que. Je fais des micro-siestes. Ouais, et tu manges quoi, de la chair humaine? J'ai pas mangé depuis 3 jours, on va dire ça aussi comme ça. Ouais, ok, bon, on va reculer un peu, tu vois, on va reculer un peu. On a les deux bâtons, on va frapper avec là, tu vois. D'ailleurs, c'est comment la Japan cette année? Le programme est pas top. Ouais. Et les stands sinon, c'est comment? Les stands, c'est comme d'hab. Comme d'hab, c'est toujours mon gars. C'est éponge. Ouais, ils ont... C'est une éponge. Ils ont mis un tapis, il y a un truc pour le cul. Tapis rouge. Vous travaillez pour... Je travaille pour le site coucoucircus.org. Donc c'est un site pour écouter des génériques de séries télé, des scènes de mettant en France, d'hier et d'aujourd'hui. Et donc, et moi, je suis là pour filmer la Japan Expo de A à Z. Je vais le matin, je filme les participants, je demande leur avis, de stand en stand. En gros, pour les gens qui n'ont pas pu être à la Japan Expo, où ils ont raté certains stands. Quoi. En gros, j'essaie de faire un compte-rendu, mais maximum. Je filme un max. D'accord. Et donc, monsieur était le premier, donc je suis un peu déçu, parce que je pensais être le premier. Je suis déçu aussi, parce que je voulais être le premier, en fait. On va dire que t'es le premier dans ta catégorie, celui qui a la chemise ouverte, t'es le premier. Ça c'est classe. Ça te va? Avec la température qu'il fait, c'est pas évident. Hein. Ah oui, il va faire chaud, très 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 chaud. Ouais, très chaud. Ouais, mais les nuits sont fraîches quand même. Avec tout le peuple qu'il va y avoir aujourd'hui aussi en même temps. Ouais, c'est clair, aujourd'hui c'est... C'est voilà. de hier. C'est clair. Jeudi c'est tranquille, presque personne, tu peux te balader de stand en stand, mais aujourd'hui, pouf. Demain ça va être pareil, ça va être un peu moins mais ça va être pareil. Ouais mais c'est chiant. Avec moi la dernière, je m'en rappelle. Quand je voyais les gens rentrer par le métro là.
Ah. Par le truc là. Ouais. Le soir, non? Ouais, le soir. Oh là là, je regardais les gens. Bah, bon, bah moi je vais en voiture. Hein. T'es garé où? On va la casser. Il y a du monde jusqu'à 21h qui rentre. Comment? Il y a du... c'est bombé jusqu'à 21h. Hein. Mais plus que 21h. Hein. Plus que ça. Hein. Bah, tu te rends pas compte de toutes les personnes qu'il y avait? Non mais t'inquiète, je suis là le fort moi aussi. Ouais, hein. Mais c'est une tuerie quand tu dis il y a plus de 60 000 personnes. Jura. Jura. Oh putain. Oh c'est sympa ça, c'est ouf. t'es fan de quoi? Tout ce qui touche le japonisme et puis la Corée. Ouais. Niveau geek, je suis pas... Pas trop jeux vidéo? Pas trop jeux vidéo. Mais t'es plus manga quoi? Ouais, manga, ouais, anime, drama. T'aimes bien genre quoi manga? En ce moment, comme anime, je regarde One Piece. Ouais, classique. Classique, ouais. Classique, quoi. One Piece, c'est bon, ok. Moi aussi, je kiffe, t'inquiète. Hunter Hunter 2011. Ouais, j'ai un peu vu. Il sort tous les dimanches, donc je regarde tous les dimanches. Là, j'ai été obligé de regarder lundi. Non, pas trop, Naruto, c'est un peu trop long. Non, parce que sinon, t'as reconnu mes lentilles. Non, je t'arrive à ramener le reste du cosplay. Tu sais que je suis un zombie, là. Ouais, ok. T'aimes bien les genres. T'aimes bien aussi genre Death Note? Ah ouais, Death Note, ouais. Death Note, Bleach, GTO. Bah, chez moi j'ai 1 tera 5 d'anime et de drame. Respect, ouais. Respect, wow. respect. Ah ouais, c'est pas trop mal. Fais gaffe, un disque dur ça s'use vite. Ouais, mais j'ai pas un disque dur, j'en ai 5. Ok, bon bah salut. Non, c'est des petits disques durs donc ça remplit facilement. Pas mal. Ouais, c'est... Et toi, c'est quoi? Moi je viens pour le Comic Con. C'est la partie manga, comics. Je suis intéressé dans les bandes dessinées américaines. Hein. Ouais. Et cette année, l'affiche du Comic Con, c'est Batman. David Finch, ouais, le dessinateur de Batman. L'année dernière, je me rappelle, il y avait une team cosplay Batman. T'as vu ça, un groupe de jeunes, tu vois. Une tuerie, il a fait le mal et le bien, mais trop bien fait. Quoi. Double face. Ouais, double face. J'ai eu un dessin de lui, je peux vous montrer si vous voulez, c'est assez... Il fait des trucs vraiment... j'ai pas le dessin sur moi, c'est la photo, je peux vous montrer. Hein. Luc, il avait plus photo, il pillait en 4, je suis ouais. Non, parce que les dessins, c'est... Les dessins qu'il fait là-bas, par exemple, là, jeudi soir, il avait fait un Batman sur une gargouille avec le décor derrière pour 300 euros. Alors, c'est un peu cher quand même. Les gens qui se baladent avec un dessin de Finch, en général, ils le ramènent chez eux à la maison, ils le rangent bien. Puis, ils photographient, ils plastifient, ils vont sur eBay. Ouais, fort. Ouais, j'ai photographié. Ça, c'est un dessinateur italien qui m'a fait ça, c'est un Wolverine. Pas mal. Ouais, sympa, ouais. Excellent, ouais. Pas mal du tout. Attends, c'est dans l'autre sens peut-être. Merde, on fait comment pour faire tenir les photos là-dessus? Fais gaffe, ne les fasse pas. Hein. Juste par info. Voilà, hop. Voilà. Ça, c'est une Lara Croft par Molinar. Ah ouais. Ouais, c'est un peu musclé quand même. Un peu musclé, ouais. Ça, c'est Amélie Mauresmo. Ouais. Amélie, si tu nous écoutes. Ça, c'est David Finch. David Finch, le dessinateur de Batman, c'est au début de sa carrière, il avait dessiné ce personnage, c'est Aphrodite Nine. Hein. C'est un personnage qu'il a créé lui-même. Hein. D'accord. Alors ça, c'est un dessinateur français, il m'a fait un Hulk barbare. Hein. Avant qu'il s'énerve. Un peu genre Conan le barbare, mais en Hulk. Oui. En mode transformation. Conan le barman. C'est sympa. Ça, c'est la Harley Quinn. C'est ouais. une jeune dessinatrice vietnamienne qui fait ça. Elle fait pas mal de pin-up. Il y a plein de trucs à aller voir. Ah ouais, ah non, mais il y a pas mal de dessinateurs. Hein. Peut-être t'auras pas tout le temps de voir une journée. Ça, c'est un Français. Il m'a fait une Witchblade. Hugo Narbert. Alors là, vous allez voir, c'est Barry Kitson, mais c'est un dessin préliminaire à une page. Comment dire? À une page de bande dessinée, quoi. D'accord. Voilà, ça c'est Romano Molinar et moi quand il m'a dédicacé sa... Enfin, son dessin. Voilà. Et ça, vous allez voir, ça c'est fantastique. Vraiment fantastique. Les 4 fantastiques. J'avais donné un comic des 4 fantastiques à Barry Kitson, sur page blanche, et il m'a carrément refait toute la couverture avec les 4 fantastiques, Monsieur Fantastique, Madame Fantastique, la chose, et puis le truc qui vole, c'est le... Torche. C'est la torche humaine, voilà. Vache. Un truc d'enfer. Ça...
Ah, c'est lui, Barry Kitson. Voilà, on travaille. Ah. Ah, ça, c'est Barry Kitson aussi. Mais c'est un autre Indien qui l'a fait ça. Il lui a fait une... Au départ, le gars lui avait demandé, je voudrais une Catwoman avec un Spider-Man. Et le gars, il lui a dessiné en plus la Black Cat et le Batman derrière. Je sais pas si on le voit bien. Puis il a rajouté un petit chat, puis tout le décor derrière. Oui, je sais, des plantes, des fleurs. Il a mis 2 heures pour dessiner ça. 2 heures? Ouais, ouais. Ah ouais. C'est un don. Ouais. Quand tu regardes Mathieu à côté. Ah ouais, ça, vous savez, c'est les... Cosplay. C'est cosplay. Les cosplays d'hier matin. Là. Ah. Alors, c'est quoi, ça? C'est deux filles qui sont déguisées en personnages de Sakura. Ouais. Ah oui. Ouais. Et riches. Ouais. Riches, oui, parce qu'ils ont passe premium, donc... Ouais, c'est la mère et la fille qui jouent le rôle de la mère et la fille dans la série Sakura. Voilà. Pas mal. Je te dis, t'aurais dû venir. C'est elle, la dessinatrice du domaine. Ok. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Nia. Ok. Enfin, le nom complet, c'est Li Tso Nyok Nia. Donc. Nia, c'est mieux. Bonjour, comment ça va bien? Pas trop fatigué? Donc, je vois que les 12 heures sont passées, hein. Ouais. Il n'y a plus de flamme. T'es à la bourre. Ouais, je crois, ouais. Non, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce que vous avez retenu d'hier de la Japan? Oh, hier. On a encore perdu pour les séances de dédicace. Ouais. Bah, encore 2 jours. Hein? Encore 2 jours. Ce matin, ça va être bidu parce que c'est premier arrivé, premier servi. Et premier tombé. Voilà, c'est ça. Donc, les premiers vont arriver, hop. Généralement, c'est terminé. Si on arrive, il n'y a plus de prière, c'est fini. Voilà. Ok. Et donc. On a perdu énormément de temps. La carte bancaire qui était bloquée. Pourquoi? Apparemment, on avait touché le plafond de retrait en 10 secondes. Ouais. On est obligé d'appeler la banque si tu veux pour qu'ils augmentent le plafond. Et le plafond est augmenté? Ouais. Grand plafond? Ouais. Ok, donc là aujourd'hui c'est nos limites quoi. C'est Texas Hold'em nos limites. En gros, voilà, tu fais all in. Cette fois-ci, normalement, c'est bon, on est tranquille jusqu'à la fin de la Japan. Donc ça va là, il n'y a plus de problème. Non, on a dû perdre une heure et demie, je pense. Hier, ouais, mais bon, c'est bien de dire que tu as le plafond, on sait jamais parce que tu dépenses, tu comptes pas. À la fin, tu fais ah oui, quand même. Ouais, ouais. Au moins, c'est une alerte quoi. Ça te. C'est attention. On était déjà arrivé avec l'intention de faire nos limites. Mais voilà, c'est ça. C'était une limite quoi pour te fixer. Genre, tu sais, attention, si tu dépasses, tu sais pas, tu dépenses, après à la fin. Non, mais on fait les comptes tous les soirs, tu vois. Ouais, donc vous avez pas mangé, vous avez. Non, ça fait un an qu'on commence à la passe. Ok, donc t'as mangé un haricot magique, ça, même deux? Ouais, ok. Des pâtes? Ouais. Tu fais Japan Expo. Ketchup? Non, arrête. Maillot. Voilà quoi. Vous voulez vous asseoir? Ouais, ça va être gentil. Ah, vas-y. Merci. Les gars, c'est mouillé. Oui. Attention, c'est mouillé un peu. Là, c'est pas mouillé. Ouais, c'est bon, tu peux t'asseoir, vas-y. Il y a toujours un tapis en fait, leur tapis sert à rien. Si, c'est un tapis magique, ouais, sauf qu'il absorbe l'eau. Ouais, voilà. Hein, toujours crâne et tout. Ouais. Avec tous les gens qui passent dessus. Mais c'est vrai qu'hier c'était bien, on avait fait comment t'appelles ça déjà? Une barrière. Une barrière, ouais, humaine pour éviter que les gens courent parce qu'en gros, quand ça ouvre, ça bouscule, ça court, ça saute les barrières. C'est la folie quoi. Donc hier on a fait une barrière. Là on rentre. Tu connais déjà ma direction. Les toilettes. Non. Ça c'est avant, on se prépare, ouais. Et après on file. Et vous avez un objectif précis Ouais. C'est quoi? C'est un seul stand. C'est lequel? C'est Dofus. Ok, donc voilà. En plus quand vous rentrez, vous êtes déjà au Comic Con, ouais. Donc déjà au parti jeux vidéo, donc c'est juste à côté. Ouais bah c'est parfait. Oh. En gros t'as même pas le temps de courir, t'arrives, hop, t'y es quoi. C'est parfait. Oui, de même, t'as besoin d'aller que tout droit. Tout, ouais, et t'as le mur. c'est quoi ça? Dofus, ça c'est Wakfu, Ankama. Ankama. Ouais, voilà. C'est ça, tout à fait. Jeux vidéo. Non du tout. Ah, c'est un jeu vidéo? C'est jeu vidéo. Comment tu dis? Dofus. Dofus. Tu connais World of Warcraft?
Ouais, j'ai entendu parler. C'est à peu près pareil, sauf que c'est... C'est dans le tour. Voilà. C'est sur les graphismes PlayStation. Non, sur ordinateur. Toi, tu critiques, là? Les graphismes par rapport à WoW, excuse-moi. Non, non, mais c'est... Alors, d'accord, ça... ok, là, c'est la critique. J'ai joué à Defis. Baston, baston. J'ai joué pas à WoW. T'as joué à Defis? Oui. J'ai joué encore à Defis. Bah, c'est un style différent, quoi. C'est pas le même univers, quoi. Ouais, c'est pas la même chose. Non, mais c'est fait par des Français, donc vive la France. Ouais, ouais, donc... On est fiers. Bah, c'est clair. Comme Ubisoft. Ah là. Et donc là, vous allez pendant 2 jours à la Japan ou une journée? 2 jours. 2 jours. Bon, ça va alors. Bah oui. La prochaine fois, c'est de venir même vendredi, jeudi, vendredi. Vous voyez, c'est il y a presque personne parce qu'aujourd'hui, c'est le rush quoi. Ouais. Ouais, c'est. Je voulais venir les 4 jours, mais. L'année prochaine, l'année prochaine. L'année prochaine. Lisanne, tu fais chier. Pourquoi tu bosses? Non mais après vous organisez, vous prenez des journées, mais c'est vraiment 4 jours, c'est vraiment fanda, 4 jours, ouais, tu viens samedi, tu viens jeudi, tu fais tes repérages, vendredi tu joues, tu t'amuses quoi. Ça va être ça. Ouais, nous, de toute façon, on a déjà l'objectif, donc... Et sinon, vous avez un budget spécifique pour tout ce qui est goodies, accessoires... Ouais. Tu peux venir dans un coin s'il te plaît, j'avais vu te parler là. Ouais, moi je vais mettre que 4000. Moi aussi je vais te parler. T'as fait combien déjà? Non mais c'est vrai que ça part très vite quoi, ça part très vite. Ouais, ouais, ouais. 150-200€ déjà c'est pas mal. Pour la bouffe? Waouh. Non, parce que là-bas, t'achètes une bouteille d'Orangina, 3,50€. Ouais, bah oui. T'as intérêt à boire lentement, quoi, là-bas. Faut pas. Tu crânes avec la bouteille, tu vois. Ouais. Et oh, oh. 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 Tant qu'à faire avec une bouteille de Badoit, ça le fait mieux, quoi. Voilà. Et comment vous avez connu la Japan Expo? Moi, c'est grâce à un ami à moi, en fait. Longue histoire, ouais. Un ex-ami? Non, il vient aujourd'hui même. Là. Ok, donc il dit ouais, viens à la Japan Expo, c'est super. Ok. Ouais. Du coup, j'ai été voir l'année dernière. Ouais. D'ailleurs, ça m'avait choqué quand je voyais les gens cosplayer, je savais pas ce que c'était. Moi. Bah, c'est des personnes qui s'habillent. Ouais, mais c'est spécial quand même. Hein. C'est pas bah, des fois, c'est bien fait, des fois, non, tu dis oui, c'est bizarre, l'original est meilleur. Ah bah oui, c'est bizarre. Après, il faut avoir la condition physique pour, tu vois, quand tu vois la photo et la personne, où sont les abdos là? Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est quand je voyais les genre, ceux qui étaient pas très costauds et qui étaient en Son Goku, quoi, ça me faisait assez marrer, quoi. Ouais, c'est Son Goku en vacances, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Avant la salle de muscu. Ouais. Non, mais c'est vrai que pour ressembler au personnage, il faut la condition physique, quoi. Mais c'est fun, quoi. Après, quand j'ai vu le truc, je fais waouh, ouais. C'est après, t'as la perruque. Ouais, bah, j'ai tout, en fait. Je voulais venir cosplayer, là, mais. Mais là, t'es cosplayé en mode cool, quoi. Ouais, voilà. C'est les vacances. Franchement, c'est les vacances, ouais. Bah, c'est sûr que cosplayer, c'est un investissement. Il faut faire du travail perso parce que tu peux acheter ton costume et tout. Mais moi, je l'ai acheté parce que voilà. Mais... Tu l'as acheté, mais tu ne portes pas. Non, je ne le porte pas parce que ma perruque était mal, je t'ai dit ce matin. Était mal, c'est-à-dire? Bah, elle n'était pas comme il fallait. La coiffure n'était pas parfaite. La coiffure n'était pas comme il faut. Ouais, donc en gros, le souci du détail, quoi. Bah, ouais. C'est ça. Et moi, je suis quand même là-dessus. C'est important, quoi. Okay. Comme ça, on me reconnaît, quoi. Ah, lui, c'est. Ah, ok. Oui, c'est Krillin, ouais. Mon cosplay, c'était Kakashi. Ok. Si vous connaissez. Non. C'est dans Naruto. Ok. Et donc, un message à vos fans ou personnes qui vous reconnaîtront, ça va passer sur YouTube Dailymotion. Ouais. Donc, un petit message perso aux gens qui ne sont pas venus à la Japan Expo. Les inciter à venir à la Japan? Oui, ce serait mieux. Non, j'ai rien de spécial à dire. Venez. Venir, c'est génial, quoi. Ouais. Non, venez, franchement, c'est génial. Ouais. Au début, on est un peu timide, on sait pas trop comment ça va se passer, machin. À la fin, on est bourré, c'est super. À la fin, t'as juste envie d'une chose, c'est d'y retourner, tellement que c'est génial, quoi. Parce ouais, c'est que, clair. Franchement, tout ce qu'il y a à voir là-dedans, si on est fan de jeux vidéo ou de manga, on peut que adorer. Voilà. Ok. C'est tout ce que je peux dire. Un message perso? C'est ma première pour moi, donc je vais rien dire de ça. Moi, c'est moi qui les entraîne maintenant, les deux là. Ok, excellent choix. Ah oui, c'est bien. Okay. Ah, bon, il y a la passion aussi derrière, on a déjà touché, regarder les mangas et tout comme ça. Ouais. Et puis ça attire. Bah, en plus, vous rencontrez des fans, donc vous pouvez discuter entre vous et partager la même passion. Ça, c'est ça. Merci bien.